Salut les amis, de nouveau direction l'aéroport, cette fois-ci direction Zanzibar. Il y a vraiment des travelers. Hein. Ça y est. Franchement, on enchaîne. Hein. Ah ouais, j'en peux plus. Non, très fatigué. Mais c'est une très très bonne fatigue. On se plaint pas. Par contre, on a vu la météo. Ah, Zanzibar. On va se régaler. Ça y est les amis, on est enfin dans Zanzibar. On est resté une heure, peut-être un peu plus d'une heure à l'aéroport pour le visa. C'est une galère. Je pense que les gens qui sont déjà venus à Zanzibar savent de quoi je parle. Une galère, tu restes bloqué pendant une heure, tu fais la queue, entasser les uns sur les autres, c'est très très chaud. Des gens à deux doigts de faire des malaises. Bref, ça c'est fait. Maintenant on a plus d'une heure 15 avec ma chérie. Ça va bébé? Elle est KO. Je suis KO. Ah ouais, elle explose. Le vol, l'aéroport, la chaleur. Bref, une heure et quart, on arrive à l'hôtel. Et là, regardez le temps. Voilà. Donc je crois que on va faire une petite sieste en rentrant. Dans le restaurant. Et regardez le temps les amis pour notre arrivée. Eh ben voilà, on se régale. Ouf. Bon. Allez voir la story de Maggie. On pleure de rire. Parce que j'avais un défi, c'était de manger un chocobon qui était posé ça, mais sans le toucher. Avec les mains. Trop drôle. Allez voir. Bon, mais je crois que vous l'aurez deviné. Hein. On a complètement rien foutu. À part manger ici des chocobons. J'ai tombé le paquet et elle, sa tablette de 300 grammes de Milka. Voilà, on est resté là toute la journée. Vivement demain que les activités commencent. Ah ouais, parce qu'il fait vraiment pas beau. Il a plu, du vent. Donc du coup, ça a été Netflix, dodo, sieste. On est parti manger, on est revenu et c'était le même programme. Voilà, en espérant que demain il fasse beau. Demain, on a des activités qui sont prévues, donc... Aujourd'hui, on va dire que c'était repos, récupération. J'ai tout démonté, les chocobons. Mon Dieu. Oh là là. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей